Salut, c'est Missa. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle construction. Donc j'ai voulu créer mon propre club de fitness parce que je n'ai pas pu vous faire la présentation du nouveau kit fitness qui est sorti. Et c'était beaucoup trop tard d'ailleurs pour vous faire la présentation. Donc j'ai carrément décidé de vous créer un kit et puis en même temps de cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur ce kit. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir également un deuxième club de fitness ou une salle de sport, c'est comme vous voulez, qui arrive. Je ne sais pas si je la ferai sortir samedi prochain ou dans la semaine. C'est parce que ce kit, eh ben écoutez, il m'a inspirée au niveau des constructions. Donc j'ai fait deux clubs. Au début, je voulais vous en présenter qu'un seul, mais je n'ai pas réussi à me décider entre les deux. Donc je vais vous présenter carrément les deux et vous me direz celui que vous préférez ou si vous aimez les deux ou si il y en a un que vous aimez pas, peut-être que vous avez des chances d'aimer l'autre. Vu que c'est deux styles assez différents. Donc j'ai décidé de vous présenter celui-ci en premier. Celui-ci, c'est plus... Il est plus grand que l'autre. Il a un peu plus de choses, celui-ci. Celui-ci, on peut peut-être plus le qualifier de salle de sport, l'autre salle de fitness. Enfin, ça change pas vraiment grand-chose. Donc ce que je pense de ce kit, c'est... Il est bien. Parce que dans le sens où j'aime bien le nouveau mobilier, il fait moderne, il fait super moderne même. Et j'aime beaucoup ce style. Mais par contre, le reproche que je ferais, c'est que Kit Fitness, je m'attendais à avoir plus de nouvelles choses au niveau du sport. C'est-à-dire, là, on a que l'escalade en nouveau. On n'a rien d'autre parce que tous les autres équipements qu'on a eu dans ce kit, on les avait déjà, genre le tapis de course, le truc pour faire de la muscu, on n'a rien de nouveau. Donc c'est vrai, à part le truc d'escalade, c'est voilà. Et je m'attendais à plus de choses au niveau sport, genre je sais pas, qu'est-ce qu'on aurait pu mettre au niveau sport, genre une poutre ou enfin vous voyez, des choses... Plus de choses au niveau sport, donc c'était ma petite déception. J'aime bien ce qu'il y a dans le kit parce que c'est joli, c'est moderne, mais pas cette chose à mon goût. Voilà, ce serait le résumé, ça serait ça. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez, vous, de ce kit. Moi, c'est mon ressenti, mais comme vous voyez, ça ne m'a pas empêché d'être créative et de vous pondre deux clubs fitness. Écoutez, j'ai été inspirée. Les couleurs de ce nouveau kit sont assez sympas, les nouvelles fenêtres aussi, le nouveau papier peint, j'aime bien également. D'ailleurs, vous allez voir, dans les deux clubs de fitness, j'ai vraiment essayé de mettre le plus de choses possibles qui viennent de ce kit. C'était vraiment pour vous présenter le kit si vous ne l'avez pas encore vu. Et que vous puissiez voir ce qu'on peut faire avec. D'ailleurs, il y a du mobilier qu'on peut très bien utiliser dans des maisons, style bibliothèque, les nouvelles tables basses aussi, je les aime beaucoup. Elles sont super jolies. Pour en revenir à ce club de fitness, donc on arrive en bas, enfin on rentre, on a l'accueil. Après, nous arrivons dans une salle où là, c'est les appareils de musculation. On a les escaliers pour monter à l'étage et la porte pour aller à l'extérieur. À l'extérieur, vous verrez, j'ai fait une piscine où j'ai mis un jacuzzi également et des tables. Et un coin avec des nouveaux fauteuils. Ah oui, les nouveaux fauteuils aussi, je les aime bien, ils sont super, ils sont jolis. On a aussi les vestiaires garçons et vestiaires filles en bas. Ah oui, tout ce qui est au niveau de la salle de bain aussi, j'aime bien les nouveaux éviers. On a une nouvelle baignoire, une nouvelle douche. Ça aussi, je les trouve sympas. Quand on passe à l'étage, donc là, j'ai fait un endroit où vraiment les sims, j'ai imaginé qu'ils pouvaient se poser après le sport, en mode ils sont crevés et ils ont envie de s'affaler. Donc j'ai mis les nouveaux sofas ou fauteuils ou je sais pas comment on peut appeler ça. J'ai mis des frigos qui viennent des Sims 4 au travail. J'ai imaginé que c'était des distributeurs. Et j'ai mis les fameux murs d'escalade. Donc ça se trouve au deuxième étage. Il y en a deux. Je voulais en mettre un troisième, mais je ne savais pas comment le tourner. Donc j'en ai mis que deux. Et quand on passe au troisième étage, là, on a tout ce qui est tapis de course.
On a une salle avec un sauna. On a une autre salle consacrée au yoga. Et j'ai fait une salle aussi, vous savez, avec les fauteuils de massage qu'on a vus dans Détente ou Spa. Et il y a aussi des toilettes au troisième étage. J'en ai pas mis au deuxième. Il y en a au rez-de-chaussée, donc dans les vestiaires. Et au troisième étage, où là, j'ai mis des toilettes. Comme vous l'avez compris, de toute façon, dans ce club, c'est surtout principalement des choses du kit fitness, énormément de choses du kit fitness et beaucoup de choses du kit détente au sport. Ouais, c'est deux kits que j'ai vraiment le plus utilisés. Et un peu les Sims 4 au travail. Mais sans plus. Mais voilà. Si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, sachez également que j'ai effacé tous mes contenus personnalisés de mon jeu parce que je me suis rendu compte que c'était ça en fait le problème. C'est que c'était mes contenus perso qui me faisaient entièrement bugger. J'aurais pas cru que ça n'était ça et depuis que je les ai enlevés, bah écoutez, je redécouvre entièrement le jeu donc ça c'est vraiment super chouette et je suis super contente donc sachez que toutes mes constructions à venir, eh bah, n'auront plus de cesser tout simplement. Maintenant elles seront toutes sans. J'ai oublié de vous préciser, là je suis sur un terrain 30x20 qui se trouve à Newcrest. Je vous laisse ici, je vous laisse découvrir la fin de la construction ainsi que mes images à la fin pour vous présenter mon club de fitness fini, le premier. Donc, comme je vous ai dit, un deuxième arrive. Dites-moi déjà ce que vous en pensez de celui-ci. Bien évidemment, il sera disponible dans la galerie. Je vous rappelle, mon origine idée pour trouver toutes mes créations, c'est Bilougas. Je vous fais d'énormes bisous et à très bientôt.